use the somnambulism is a state where the person gets hypersensitive. I demonstrate sometimes this state when we are like kind of telepathy with the other person. But the same state is also useful to do some kind of spiritual healing without touching the person at a distance. If we, for example, do a breathing and we feel well, the person also will feel well. Faites une photo mentale de votre compagnon. Regarde son image. Et après, venez avec moi. Venez avec moi. On descend. Bien. On va aller dans le jardin de l'autre côté. Et vous allez imaginer d'avoir en face de vous la personne. Et de travailler sur la personne. Et vous cherchez de lui transmettre quelque chose. Peut-être même de créer un mouvement. Peut-être vous cherchez de travailler même plus sur un côté que sur l'autre. De façon à voir si lui, il va ressentir plus d'un côté que de l'autre. Ok? Mais... J'ai voulu chanter, mais celui-ci, j'allais embrouiller les autres, donc je l'ai fait dans mon cœur. Elle a senti ça. Ça, c'est vraiment de la transmission. Au niveau de mon plexus, l'agitation énergique. Et toi, tu travaillais sur ce chakra-là? Oui, pour elle, je l'ai visualisé, je travaille ici. Et oui, j'ai visualisé, je travaille là. Moi, j'ai un chakra qui tournait comme ça, avec beaucoup de lumière, c'est ça. Et toi, tu avais imaginé quoi de l'eau? Dès que je suis commencé, j'ai fait les passes et j'ai fait la différence toujours avec deux. Ça veut dire le double, la différence de deux. Et elle a ressenti sujet, elle a ressenti parce qu'elle a fait les numéros 3, 5 et 7. Ça veut dire qu'il y a toujours deux entre différences.